suite, nous nous demandons pourquoi le piment pique. Il faut savoir que le piment se compose de beaucoup de choses, comme du colorant naturel, comme le bêta-carotène, ou mais encore de la flavonoïde, qui peut correspondre à la couleur naturelle comme on retrouve chez les plantes. Il y a bien évidemment des vitamines, comme la A, la C, la E, la B1 ou la B2. Mais encore, la chose... Non, tout d'abord, j'ai oublié les sels minéraux. Et bien évidemment, la chose la plus importante de pourquoi le piment pique. La raison. La... Celle qui vous fait pleurer quand vous en mangez trop. Je peux vous dire, moi. désolé, je te laisse. La capsaïcine. Ouais. Suite à l'échec de tout à l'heure et à la grande souffrance que nous avons vécue, surtout moi, parce que j'en ai mangé deux et Lucas, nous avons recommencé l'expérience, sauf on va chercher un peu à l'adoucir. Donc, tu as l'absence de pain, on va prendre des gâteaux apéro. Et à la place du lait, bah, on a des yaourts. Bah, en fait, on prend yaourt parce qu'en fait, c'est gras. Et en fait, la capsaïcine, elle se dissout en fait dans le gras. Donc, bah, ça va pouvoir. Ça brûlera moins puisqu'elle sera partie. Voilà. Ouais, ça va nous détendre un peu. Moi, je vais prendre un petit parce que. parce que voilà quoi. Voilà, tu l'as pété, c'est bon. Ouais, ça va. Prends la moitié, allez. Ouais. Vas-y, fais ta blague. Ah putain! Ah ça me... La capsaïcine est une molécule présente dans les piments. Elle possède un groupe vanilline. Un groupe vanilline est composé d'un phénol, donc cycle de benzène plus groupement hydroxyle, et d'une fonction hétéroxyde. La capsaïcine possède également une fonction amide et un alcène. Cette molécule est peu soluble dans l'eau, mais se dissout très bien dans les lipides. L'échelle de Scoville indique la concentration de capsaïcine dans le piment. Le transient réceptor potentiel vanilloïde, ou aussi appelé TRPV1, est un récepteur ionotrope, situé sur la membrane plasmique des cellules nerveuses. L'activation de ce récepteur va permettre une ouverture d'un canal de cation, en particulier d'ion calcium Ca2+, et d'ion sodium Na+. Ce déplacement d'ions dans le cytoplasme va créer une dépolarisation et entraîner le déclenchement d'un potentiel d'action dans le neurone. Le TRPV1 peut être activé par une chaleur supérieure à 44 degrés Celsius, un pH acide ou par ligand avec un groupe vanilloïde. La capsaïcine étant un groupe vanilloïde, c'est lui qui va être responsable de la sensation de chaleur après ingestion. Il va permettre de changer la conformation du TRPV1 grâce à ses fonctions chimiques. Le message nerveux nociceptif est conduit jusqu'à la moelle épinière où il va être intégré. Ce message nerveux va exciter le neurone qui va transmettre ce message aux neurones situés dans le cerveau. Le message nerveux est conduit par un nerf sensitif. Il existe deux composantes dans la douleur au niveau cérébral. Une composante sensorielle qui apporte des informations sur l'intensité, l'emplacement dans le corps et la nature de la stimulation nociceptive, et une composante psychologique qui nous fait percevoir la douleur d'une manière désagréable en nous apportant des émotions d'angoisse, de malaise ou de douleur. Ces deux composantes passent par les nerfs périphériques qui vont en direction du thalamus. Lorsque le message nerveux arrive au thalamus, la fibre nerveuse se divise en trois parties qui conduisent le message nerveux vers une certaine partie du cerveau. Tout d'abord, le message nerveux est conduit vers le lobe frontal où le message sensitif est interprété comme de la douleur. Dès que le message nerveux atteint le lobe frontal, on sait que l'on a mal. Puis il atteint le lobe pariétal qui permet la localisation de la douleur. Enfin, le message nerveux atteint le système mésolimbique où il est assimilé à des émotions désagréables comme la souffrance ou la brûlure. La sensation de brûlure désagréable ressentie lorsqu'on intègre un piment est donc le résultat du périple du message nerveux à travers trois parties différentes du cerveau.